Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Le Palais Royal est un ensemble monumental composé d'un palais, d'un jardin, de galeries et d'un théâtre. Il est limité par la rue Saint-Honoré et la place Colette au sud, par la rue de Richelieu puis la rue de Montpensier à l'ouest, par la rue de Beaujolais au nord et par la rue de Valois à l'ouest. Formant ainsi, comme vous pouvez le voir, donc un vaste quadrilatère. Dans cette vidéo, je vais un petit peu déroger à mes règles. D'habitude, je vous fais toujours l'histoire du bâtiment, puis son architecture et ses légendes ou ses histoires, s'il en existe. Cette fois, le bâtiment est tellement dense que je vais mélanger les deux, histoire et architecture, mais au gré de ses grandes transformations. L'histoire du Palais Royal commence avec le cardinal Richelieu. En 1624, Richelieu, qui est à l'apogée de sa fortune, achète l'hôtel de Rambouillet pour la somme de 90 000 francs. Celui-ci possède les avantages d'être proche du Palais du Louvre et d'être bordé par l'enceinte de Charles V. Progressivement, le cardinal rachète les maisons voisines afin d'agrandir son territoire. Lors de la destruction du rempart en 1633, Richelieu se retrouve propriétaire d'un vaste terrain et de potagers environnants. Il demande à l'architecte Jacques Le Mercier de transformer l'hôtel en un véritable palais avec des appartements somptueux et un théâtre. L'intérieur était effectivement somptueux, décoré de sculptures, de tapisseries et de collections de tableaux de maîtres italiens et français. L'hôtel était surtout réputé pour sa galerie des hommes illustres qui comportait 25 portraits peints par Philippe de Champaigne et Simon Vouet, dont celui bien sûr de Richelieu et de Louis XIII. On pouvait également y admirer 4 statues et 38 bustes de marbre antique. Une grande salle de théâtre à l'italienne en était la principale curiosité. Hélas, il ne reste quasiment rien de ce palais qui disparut lors de l'incendie de la salle de l'Opéra le 6 avril 1763. Presque, ai-je dit. Il nous reste quand même un petit vestige. La façade de l'aile est, connue actuellement sous le nom de la Galerie des Proues. Au rez-de-chaussée, comme vous pouvez donc le voir sur cette photo, derrière le péristyle, des fenêtres rectangulaires alternent avec des tables ornées de rostres à l'antique. Un rostre est un éperon de navire. Dessous, nous voyons des ancres marines. Ces deux éléments évoquaient en fait la charge de surintendant de la navigation de Richelieu. Je vous lis un petit extrait du livre de Pierre Corneille, Le Menteur, paru en 1644. Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Toute une ville entière, avec pompe bâtie, semble d'un vieux fossé par miracle sorti, et nous fait présumer, à ces superbes toits, que tous ses habitants sont des dieux ou des rois. Le cardinal donne son palais au roi Louis XIII par acte de donation, avec réserve d'usufruit, pas trop fou tout de même, le 6 juin 1636, acte qui sera renouvelé par testament et dont il bénéficie donc jusqu'à sa mort en 1642. Le palais cardinal devient le palais royal. L'acte de donation stipulait que l'hôtel demeurerait à jamais inaliénable à la couronne. La clause déterminante de la libéralité étant que l'immeuble sert de logement au roi ou à l'héritier de la couronne, à l'exclusion de toute autre personne. À votre avis, cette clause fut-elle respectée? Bien, pour le savoir, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. La régente Anne d'Autriche s'y installe de 1643 à 1652, quittant les appartements incommodes du Louvre, pour profiter du jardin où peuvent ainsi jouer le jeune Louis XIV et son frère Philippe. Les troubles de la Fronde marqueront le jeune roi qui en 1649 doit fuir le palais en pleine nuit et en 1651, alors qu'il est âgé de 12 ans, voit les émeutiers envahir sa chambre. Le palais royal est alors abandonné.
Mais que devient la requête de Richelieu dans tout cela? Eh bien, les magistrats vont trouver une parade ingénieuse. Ils concluent que le palais, en raison de sa petitesse et de la piètre qualité de ses bâtiments, n'est pas une demeure convenable pour un roi, et que seul le Louvre, par sa grandeur et sa magnificence, répond à la majesté royale. Bon, un petit peu tiré quand même par les cheveux, vu le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Le palais cardinal est donc donné en apanage à son frère Philippe d'Orléans, dit Monsieur, à partir de février 1692. Auparavant, le palais avait servi de résidence à Louise de la Vallière, la maîtresse de Louis XIV. Du temps de Monsieur, le palais sera superbe, mais tranquille. Voici par exemple une restitution du cabinet des glaces du palais. Celle-ci donnait au grand appartement de Monsieur. Ce cabinet deviendra ensuite le salon d'Oppenor, et la galerie d'aînés sera ensuite édifiée en obstruant les deux fenêtres de droite. Si Monsieur n'a guère fait parler de lui, son fils est d'une autre trempe. Philippe d'Orléans, oui, comme son père, oui, dans la famille d'Orléans, il va falloir suivre. Ils s'appellent pratiquement tous Philippe ou Louis-Philippe. Donc Philippe d'Orléans, le fils, s'installe dans le palais et le fait transformer par les architectes Robert de Cotte et Oppenor dans un style rocaille. Le palais comprend le grand appartement, une salle à manger, une chambre de parade, un grand cabinet où sont reçus les ambassadeurs, les petits appartements du régent et les appartements de la duchesse d'Orléans. La pièce maîtresse des lieux reste la galerie d'aînés, peinte par Antoine Coypel, comportant 14 grandes compositions sur le thème de l'Énéide. Par bonheur, si la galerie n'existe plus, certains tableaux sont conservés. Au plafond, nous pouvions voir l'Olympe ou l'Assemblée des dieux. La peinture est visible au musée des Beaux-Arts d'Angers. Vénus apportant les armes à Énée est conservée au musée des Beaux-Arts de Rennes. Énée et Achate est conservée au musée Fabre de Montpellier. D'autres, hélas, ont disparu, bien sûr, comme Énée portant son père Anchise ou la mort de Turnus. Entre 1715 et 1723, le palais d'Orléans devient le cœur de la vie politique et artistique du royaume. Il supplante le château de Versailles de tonton Louis XIV. Mécène et grand collectionneur, le régent rassemble la deuxième collection de peintures la plus importante de France. La première étant bien sûr celle du roi. Elle comprend près de 500 œuvres d'artistes illustres. Bon, hélas, cette collection sera vendue en 1788 par le futur Philippe Égalité. Parmi ces tableaux, l'un d'eux viendrait d'être vendu par la maison de vente Briscadieu à Bordeaux le 28 mars 2020 pour la somme de 2 029 500 euros. Cette œuvre s'intitule « Nature morte au trophée de gibier, fruits et perroquets sur fond de niche ». Il a été peint par Alexandre-François Desportes vers 1716. Le tableau, à l'origine, avait été estimé à 200 000 euros. Donc vous voyez, on est passé de 200 000 à plus de 2 millions. Une belle marge pour la salle des ventes, en tout cas pour l'ancien propriétaire du tableau. Fête officielle et souper galant se succèdent. Une salle du palais est même réservée à l'opéra. Trois fois par semaine, en hiver, le palais accueille des bals publics. Au droit d'entrée, très élevé. Public, certes, mais pas ouvert à tous. Le port du masque est obligatoire. C'est rigolo parce que c'est un peu une phrase qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Mais là, ce n'est pas le même masque. Le régent peut ainsi s'y divertir incognito. Enfin, du moins le croit-il. Je vous lis ce petit extrait des Mémoires de Saint-Simon. Monsieur le duc d'Orléans n'avait qu'un pas à faire pour y aller au sortir de ses soupers, et pour s'y montrer souvent en un état peu convenable. Donc vous voyez, l'anonymat, pas tout à fait ça.
Saint-Simon aurait voulu éloigner Monsieur le Duc d'Orléans des pernicieuses compagnies avec qui il soupait tous les soirs, de l'état auquel il se montrait souvent au bal de l'opéra, et du temps qu'il perdait après toutes les représentations de ses spectacles. Mais c'est précisément ce qui l'attachait au séjour de Paris, duquel il n'y eut pas moyen de le tirer. Afin de fournir l'eau nécessaire à l'extinction d'éventuels incendies, et surtout d'incendies qui pourraient avoir lieu à l'opéra, le régent fait construire un château d'eau en face du palais entre 1714 et 1719. À la mort du régent en 1723, le palais tombe dans une semi-léthargie. Son fils, Louis Ier d'Orléans, fait construire la cour des Valois par Carteau. Les jardins sont restaurés par le neveu de Lenôtre et ouverts au public, mais avec quelques restrictions. Les personnes en tenue négligée et les domestiques en livrée n'ayant pas leur place. Pour les lecteurs, le livre de Diderot paru en 1760, Le neveu de Rameau, débute dans ce jardin. Je vous en lis un petit extrait. Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid. C'est mon habitude d'aller, sur les 5 heures du soir, me promener au palais royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage, folle, qui se présente. Comme on voit dans l'allée de foi nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à la vif au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Le jardin étant interdit à la police royale, différentes activités illicites s'y déroulent, sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard. L'opéra, quant à lui, continue d'attirer la haute société au palais royal. Les décors sont réalisés par Servandoni. Hélas, le bâtiment brûle en 1763, incendiant une partie du palais, dont le grand escalier de Le Mercier, et le bâtiment central. Sous la pression du duc d'Orléans, le roi ordonne sa reconstruction au même endroit. Ce nouvel opéra est inauguré en 1770 et périt comme son prédécesseur dans un incendie le 8 juin 1781. Cet événement marque la fin de l'opéra du Palais Royal. Louis-Philippe d'Orléans, donc le petit-fils du régent, confie à l'architecte Moreau d'Esproux le soin de rebâtir le palais. Le bâtiment central est rasé, ainsi que les deux ailes de la première cour et le portique de Le Mercier. La nouvelle cour est bordée de 3 ailes fermées par une galerie, dont les arcades prolongent celle de la Comédie-Française, la voisine. Ce portique est percé par 9 arcades en plein cintre, comme vous pouvez le voir sur la photo, flanquées de colonnes toscanes. Il relie 2 pavillons à fronton triangulaire, donc aux extrémités. Les pavillons se composent de 3 travées. Mais la 4e que vous pouvez voir sur la photo est un ajout postérieur. Sur 3 niveaux d'élévation. Au rez-de-chaussée, les 3 baies rectangulaires sont coiffées d'un fronton arrondi percé d'un oculus. Elles sont encadrées par des colonnes à chapiteaux doriques. Au premier étage, les baies sont accompagnées de colonnes à chapiteaux ioniques et précédées d'une balustre en pierre. Le fronton de l'aile gauche a été sculpté par Augustin Pajou en 1765. Il représente la force et la justice. Celui de l'aile droite a été sculpté par Jules Franceschi vers 1872-1874 d'après l'œuvre originale de Pajou, qui a disparu dans l'incendie de l'opéra. Et les allégories illustrent la prudence et la libéralité. De chaque côté des frontons, nous apercevons des trophées sculptés par Adolphe Martial en 1874. Ces trophées se composent de torses afflubés de leur équipement militaire, soit cuirasses, casques, boucliers, armes, béliers, etc. Au fond de la cour s'élève le corps de bâtiment à 2 étages. Le rez-de-chaussée est percé de grandes arcades accompagnées de colonnes jumelées à chapiteaux doriques. Au premier étage,
nous apercevons des colonnes ioniques, tandis que l'attique est ornée de pilastres à chapiteaux corinthiens. Le fronton arrondi de ce dernier est décoré de génies, œuvres de Pajou, qui soutenaient à l'origine les armes de la famille d'Orléans. Elles ont été grattées lors de la Révolution de février 1848. L'écu de puits a été remplacé par une horloge qui a donné son nom à la cour. La reconstruction de la façade septentrionale, c'est là où à l'heure actuelle vous pouvez voir l'œuvre de Buren, est confiée à l'architecte Constant d'Ivry. Un pavillon central se dresse en retrait de deux avant-corps et s'élève sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée est percé par neuf larges portes en arcade, dont six sont fermées par des portes-fenêtres. Les hautes fenêtres rectangulaires du premier étage sont encadrées par des colonnes composites accouplées. Composites parce qu'on y retrouve du corinthien et du ionique. Les trois baies du pavillon médian sont cintrées, alors que celles des avant-corps sont coiffées chacune d'un fronton triangulaire. En 1766, Pajou décore l'attique avec quatre statues. Étudions-les donc de gauche à droite. Mars apparaît en armure à l'antique, un casque empanaché à ses côtés, s'appuyant sur un bouclier et serrant un glaive dans l'une de ses mains. La Prudence tient un miroir dans ses mains comme pour veiller sur ses arrières. La Générosité est assise près d'un aigle, une corne d'abondance posée sur son flanc gauche. Elle tourne la tête vers son voisin, le dieu Apollon, au corps athlétique qui semble vouloir lui remettre sa couronne de laurier. Dans sa main gauche, il tient une lyre. Les quatre statues suivantes sont un ajout postérieur d'Antoine François Gérard. Nous y voyons la science, qui est représentée donc sous les traits d'un homme ailé, peut-être une référence au mythe d'Icare. À ses pieds se trouve une palette de peinture, un globe, une lyre. Il tient un compas de la main droite et pose son bras gauche sur le buste d'un homme barbu. Le commerce est représenté sous les traits d'une mère nourricière. D'une main, elle rajuste son voile, tandis que les deux jeunes enfants tentent de grimper sur ses genoux pour téter. L'agriculture protège les récoltes qui reposent à ses pieds. Un panier contient des épis de blé, tandis que d'un autre débordent des fruits. La jeune femme tient dans ses mains une serpe et un thème. La navigation est assise sur un trône écrasant deux monstres marins, d'où émerge le rostre d'un navire. L'homme tient dans sa main droite une rame, tandis que de l'autre, il déverse les eaux depuis une urne. L'année 1780 marque un tournant dans l'histoire du palais royal qui va prendre l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Louis-Philippe Joseph d'Orléans, donc l'arrière-petit-fils du régent, duc de Chartres, reçoit l'entière propriété du palais royal. Il deviendra duc d'Orléans à la mort de son père en 1785, puis Philippe Égalité pendant la Révolution. Fortement endetté, il décide de renflouer ses caisses grâce à la spéculation immobilière. Quel est son projet? Eh bien, tout simplement, il décide de construire des immeubles tout autour du jardin. Le rez-de-chaussée abriterait des galeries commerçantes et les étages des appartements locatifs. Les nouveaux bâtiments ouvriront sur plusieurs nouvelles rues dédiées au fils du duc. La rue de Montpensier, à l'ouest du jardin, la rue de Beaujolais, au nord, et la rue de Valois, à l'est. Son cousin Louis XVI lui délivre le permis de construire en juin 1781, en dépit des protestations des 72 propriétaires de maisons ayant vu sur le jardin. Et oui, parce que la construction des bâtiments donc de Louis-Philippe Joseph va forcément boucher la vue de ceux qui étaient là précédemment. L'architecte Victor Louis est choisi pour mener à bien le projet. C'est peut-être un nom qui vous parle, en tout cas qui vous est familier, c'est également l'architecte de la Comédie-Française, juste à côté. Sur la façade du jardin, il aligne 180 arcades séparées par des pilastres cannelés colossaux à chapiteaux corinthiens
éclairé par 188 réverbères suspendus sous le cintre des arcades, fermés par des grilles à motifs de lance. Ces arcades sont surmontées d'agrafes enserrant des motifs végétaux. Les maisons comprennent un rez-de-chaussée et un entresol donnant en retrait sur la galerie. Un premier étage noble, un second plus petit. Les fenêtres du premier étage sont couronnées d'attributs inscrits dans un tableau, tandis que celles du second sont séparées entre elles par trois consoles reliées par des guirlandes. Le troisième étage et les combles, destinés aux domestiques, sont dissimulés par une balustrade supportant des vases. Afin d'attirer les Parisiens vers son palais, le duc de Chartres demande à Victor Louis de lui construire une salle de spectacle dans l'angle sud-ouest du terrain, l'actuelle Comédie Française. Louis-Philippe avait échoué en fait à faire reconstruire une nouvelle salle d'opéra par la ville au lendemain de l'incendie de 1780. À l'extrémité nord de la galerie Montpensier, il avait fait construire une petite salle de spectacle destinée aux marionnettes de l'un de ses fils. La salle deviendra le théâtre Montpensier, puis le théâtre du Palais Royal. En 1787, le duc de Chartres fait aménager un cirque au centre du jardin pour y organiser des courses de chevaux. Il abrita successivement un manège, une salle de bal, une salle des fêtes et un théâtre de tableaux vivants. L'architecte, toujours le même, donc Victor Louis, dresse un édifice de 72 colonnes ioniques mesurant 100 mètres de long sur 16,5 mètres de large, coiffé d'un treillage. Afin de ne pas obstruer la vue sur les galeries, le bâtiment est légèrement enterré, à peu près 4,3 mètres de profondeur. Louis-Sébastien Mercier écrivit à son sujet en 1789 « Le cirque est le monument d'architecture le plus beau, le plus gracieux, le plus original, si on ose le dire, qui existe à Paris. C'est une création souterraine formé d'un coup de baguette magique. » Hélas, des soucis financiers obligent le duc à le louer. Un salon de thé et un orchestre s'y installent. Le cirque du Palais Royal est détruit dans un incendie en 1798. Le Palais Royal devient ainsi le centre du commerce et du plaisir de la capitale. Les 180 boutiques, composées de cafés, de restaurants, de cabarets, de salons de jeux, attirent une foule immense. La liberté des mœurs s'y étale de façon toujours plus provocante, d'autant, je vous le rappelle, que la police n'a pas le droit de pénétrer dans le domaine princier. Aussi abritait-il cercles de jeux et maisons de plaisir. Dans le jardin, trois rangées de chaises sont disposées pour les promeneurs qui pouvaient également s'attabler au café. Hélas, l'entreprise coûte beaucoup plus que prévu. Comme les fonds manquent, le duc obtient du roi en 1784 l'autorisation de vendre les bâtiments construits, en principe, inaliénables. Je vous renvoie au testament de Richelieu. Ce n'est toujours pas suffisant. Louis-Philippe vend donc son château de Saint-Cloud ainsi que les collections de peintures du régent. La Révolution va empêcher le duc de tirer profit de son opération. Un quatrième côté du quadrilatère devait achever le palais. Faute d'argent, on y élève en 1785 des boutiques en bois décorées en trompe-l'œil qui furent louées à des marchands. On appela cette galerie de bois le camp des Tartares. Le Palais Royal devient le théâtre de la Révolution et de ses fièvres. Le 30 juin 1789, les gardes françaises qui avaient refusé de tourner les armes contre le peuple sont libérées par un groupe parti du Café de Foix et amenées en triomphe au Palais Royal. Le 8 juillet 1789, un espion est supplicié par la police. Le 12 juillet 1789, Camille Desmoulins harangue la foule depuis les galeries du palais. Apprenant le renvoi du ministre Necker, les Parisiens se rassemblèrent au Palais Royal et pénétrèrent dans le musée de cire de M. Curtius, situé au 17 de la galerie de Montpensier. Ils en extraient les bustes du duc d'Orléans et de Necker, les pares de crêpes et les portent en triomphe dans le jardin. Au même moment, Camille Desmoulins, qui se trouvait au Café de Foix,
Oui, encore le même café, situé au numéro 57 de la galerie de Montpensier, monte sur une table, un pistolet à la main, et appelle le peuple à la résistance. Je cite. « J'arrive de Versailles. Monsieur Necker, que suivant le vœu de la nation, on devait conserver au ministère, est renvoyé. Ce renvoi est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Des bataillons suisses et allemands sont groupés dans le champ de Mars. Ce soir, ils en sortiront pour nous égorger. Il n'y a pas un moment à perdre. Votre seule ressource est de courir aux armes et de prendre des cocardes pour nous reconnaître. Le vert, couleur de l'espérance, sera la nôtre. » En guise de cocarde, il arrache une feuille verte d'un arbre et le croche à sa veste. Geste suivi par les auditeurs. L'activisme de Desmoulins fut mal récompensé car s'opposant à l'essor de la terreur, il est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. La cavalerie charge la foule place Louis XV, c'est-à-dire l'actuelle place de la Concorde. En guise de réponse, les Parisiens prennent la Bastille. Le 22 juillet, la tête de Joseph-François Foulon est promenée dans le jardin du palais. Le 4 mai 1791, le pape est brûlé en effigie dans le jardin après son refus d'avaliser la constitution civile du clergé. Enfin, le 20 janvier 1793, le député montagnard Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau est assassiné. Après s'être opposé à la peine de mort, Saint-Fargeau se ravise et vote la mort de Louis XVI le 20 janvier 1793. Le soir même, il se rend chez le restaurateur Février, au numéro 114 de la galerie de Valois, pour dîner. Un ancien garde du corps du roi, Philippe-Nicolas-Marie de Paris, s'approche du député et lui demande « Monsieur, êtes-vous Saint-Fargeau, le député ? Votre figure me dit que vous n'avez pas pu voter la mort du roi. » Si fait, mon âme et conscience, car j'ai pensé que le tyran le méritait, répond Saint-Fargeau. Paris sort un sabre caché sous sa houppelande et l'enfonce dans la poitrine du député, tout en s'écriant « Tiens, voilà pour ta récompense !» Et il s'enfuit. Mortellement blessé, Le Pelletier est transporté au domicile de son frère, place Vendôme, où il meurt quelques minutes plus tard. Lors de ses funérailles, son corps est placé sur le piédestal de la statue de Louis XIV, abattue l'année précédente sur la place Vendôme. Le Pelletier est considéré comme le premier martyr de la Révolution, suivi de Marat et de Chalier. Après la chute de la royauté, soit le 10 août 1792, le duc d'Orléans prend le nom de Philippe Égalité. Le palais royal devenant par conséquent le palais Égalité. Le 2 avril 1793, le duc est arrêté dans ses appartements, ainsi que son plus jeune fils. Le 6 novembre, il est guillotiné et son palais devient propriété de l'État. La cour d'honneur est divisée en parcelles, louée à des restaurateurs et des tenanciers. Les maisons de jeu et de luxure restent ouvertes, en dépit de l'assainissement préconisé par Robespierre. À ce propos, Jules Michelet disait « La vie, la mort, le plaisir rapide, grossier, violent, le plaisir exterminateur. Voilà le palais royal de 93. » Après la chute de Robespierre, le palais Égalité devient le siège de l'opposition à la Convention. Le directoire vend le mobilier et loue le bâtiment, ce qui nuira fortement à l'aménagement intérieur. Les locataires cloisonnent les pièces et démontent les décors. En 1800, Napoléon Bonaparte installe dans le palais le tribunat, assemblée législative créée par la Constitution de l'an 8, qui sera dissoute en 1807. Il installe la bourse au rez-de-chaussée du bâtiment central, qui y résidera jusqu'en 1816. Napoléon ne s'intéresse pas vraiment au palais royal. Il a déjà bien fort à faire dans Paris. De nombreux projets, tribunal de commerce, état-major de la place de Paris, palais des fêtes, palais des beaux-arts, habitation pour un prince lui seront proposés. Aucun n'aboutira faute de volonté et de moyens. Le palais est ensuite restitué au fils de Philippe Égalité, le futur roi Louis-Philippe, en 1814. Les travaux de restauration sont confiés à l'architecte Pierre-François Fontaine, qui est, je vous le rappelle, l'architecte de Napoléon.
Durée du chantier, 18 ans. Coût des travaux, chut. Les dépenses ont été colossales. À l'intérieur, l'architecte aménage une suite d'appartements prestigieux pour le duc et sa famille, ainsi que des appartements plus modestes pour le personnel de la cour. Comme ses prédécesseurs, Louis-Philippe se constitua le long de la cour de Nemours et de la Comédie-Française une galerie de peintures. 414 tableaux en 1824 étalés sur 75 mètres de long. À l'extérieur, le sculpteur Gérard ajoute quatre statues sur l'avant-corps occidental de la cour d'honneur. La science, le commerce, l'agriculture et la navigation pour faire pendant avec celle de Pajot. Nous les avons observées précédemment. Le palais se dote également d'une nouvelle aile, l'aile de Montpensier, et de deux pavillons, le pavillon de Valois et le pavillon de Montpensier, ainsi que d'une nouvelle cour, la cour de Nemours, qui est aujourd'hui la place Colette, devant la Comédie Française. Entourée de portiques formant une galerie couverte, elle communique avec la cour d'honneur par un passage voûté. Les deux pavillons se dressent sur trois niveaux. Au premier étage, d'élégantes fenêtres cintrées et à l'attique, une balustrade en pierre dissimule de petites fenêtres rectangulaires. Les trois côtés de la cour sont bordés d'un portique toscan. La partie nord forme la galerie d'Orléans, construite entre 1827 et 1829 à la place de la galerie de bois. Vous savez, le camp des Tartares. Côté cour, comme côté jardin, elle présentait une enfilade de colonnes doriques supportant une plate-bande horizontale. Elle formait deux promenades couvertes. La structure servait autrefois de galerie marchande fermée, composée de 40 boutiques couvertes par une verrière longue de 70 mètres. Les commerces disparaissent en 1935, ne laissant subsister que les colonnes. Dans ce palais en perpétuel chantier, le duc d'Orléans menait une existence assez tranquille avec une étiquette réduite. La fête la plus bruyante fut donnée le 31 mai 1830 pour son beau-père, le roi de Naples, quelques semaines avant la chute de Charles X. Le 1er octobre 1831, le roi quitte le palais royal pour celui des Tuileries, laissant le palais inoccupé pendant 16 ans, soit de 1832 à 1848. Comme je vous l'expliquais précédemment, la police n'avait pas le droit d'intervenir au sein du palais royal, permettant l'existence de commerces et activités jugées scandaleuses. Entre 1780 et 1830, le palais est une étape obligatoire pour les étrangers et les gens de passage dans la capitale, tant sa réputation le précède. L'historien russe Nikolai Karamzine disait en 1790 « Tout ce qu'il est possible de trouver à Paris est au palais royal. » La motte Langon poursuivait en 1825 « Paris est la capitale de la France. Le palais royal est la capitale de Paris. » Côté spectacle, les touristes peuvent venir se détendre et assister à des pièces de théâtre à la Comédie-Française ou au théâtre Montansier. Donc, je vous le rappelle, l'actuel théâtre du Palais Royal. Le palais voit fleurir une profusion d'autres divertissements, logés souvent dans de minuscules théâtres qui se livrent une concurrence acharnée et ont souvent une existence éphémère. Le théâtre de Séraphin attire beaucoup de monde avec son spectacle d'ombre chinoise. Les marionnettes sont aussi un genre très prisé. Curtius présente un cabinet de figures de cire comportant deux salles présentant les personnages célèbres du moment, dont la famille royale. Dans le jardin, quotidiennement, 100 à 200 personnes se rassemblent montre en main autour du petit canon dont la mise à feu commandée par les rayons du soleil signale l'heure de midi. Le restaurant, avec son repas à la carte et sa table individuelle, est né au Palais Royal. Sous les galeries, on y trouve des restaurants de premier ordre, comme Véry, au numéro 83 à 85, Véfour, au numéro 79-82, les Frères Provençaux, au numéro 96-98, et quelques établissements plus modestes. Les cafés ne sont pas en reste. Le café des Mille Colonnes, au numéro 36, ouvrit en 1807. Il était l'un des plus luxueux cafés des arcades. Durant 20 ans, y officia Madame Romain, dite la belle limonadière, réputée pour sa grande beauté. Camille Desmoulins
harangua le peuple devant le café de Foy, situé au numéro 5660. Le café Lamblin, situé au numéro 100-101, était le rendez-vous des officiers de l'Empire, puis des demi-soldes nostalgiques sous la Restauration. Le café Valois était fréquenté par les royalistes et servait un menu invariable, vermicelle et poitrine de mouton aux haricots. Le café de la Rotonde, situé au numéro 89-92, avait obtenu l'autorisation d'établir une rotonde dans le jardin pour abriter sa clientèle. Le café des Aveugles, situé au numéro 99-102, était un café caveau souterrain, dans lequel la clientèle pouvait badiner sans risque de perturber l'orchestre qui était aveugle. Le café Coraza, situé au numéro 9 et 12, servit de siège aux Jacobins. Le propriétaire du café Bordel, situé au numéro 114, attirait ses clients avec des numéros de ventriloque. Au café Mécanique, nul serveur. Le centre des tables était composé de monte-plats où le client déposait sa commande. Quelques instants après, celui-ci remontait chargé de vituelles. Le self-service n'étant pas encore très en vogue à l'époque, le café fit rapidement faillite. Les commerçants des galeries, près de 400, proposaient une grande variété de produits et en abondance. On y trouvait surtout des magasins de luxe, joaillerie, horlogerie, tailleur, traiteur aux victuailles, 3 salons littéraires, un établissement de bain, des modistes, 14 libraires, ainsi que des marchands d'estampes licencieuses. L'installation de la bourse jusqu'en 1816 amène des personnes ayant de gros moyens financiers prêts à dépenser sur place une partie des gains réalisés, ainsi que des employés, des changeurs de monnaie et des prêteurs sur gage. Le Palais Royal pouvait à cette époque être perçu comme un vaste casino. Crêpes, passe 10, 31, Biribi et bien d'autres jeux. La maison de jeu du 113 comptait 8 salles, dont 6 tables de roulette, ainsi que de charmantes compagnes, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Au numéro 154, le club polonais, dit aussi le club des deux billards, dispose d'une table d'or, où les enjeux sont pris uniquement en pièces d'or. L'établissement est tenu par deux directeurs, le chevalier Jean-Baptiste de Coste et le vicomte Esprit Boniface de Castellane. Les deux hommes vivaient en charmante compagnie, sans être mariés. Aujourd'hui, cela ne choquerait nullement, mais pensez à l'époque où la religion menait bon train, il fallait vraiment être au palais royal pour que cela passe inaperçu. Tous ces promeneurs fortunés devaient forcément attirer des femmes de petite vertu, nombreuses et entreprenantes. Elles arpentent les galeries, accostant le promeneur ou folâtre dans les cafés caveaux. Berthier de Sauvigny décrit parfaitement cette ambiance. C'est surtout le soir, lorsque s'allument les lumières, que le palais royal prend son animation caractéristique. C'est alors que de leur logement situé aux plus hauts étages descendent les bataillons de filles qui viennent se mêler aux promeneurs et faire la chasse aux clients. La poussée moralisatrice contre le jeu, qui rapportait gros à l'État et à la ville en taxes et redevances, ainsi que la prostitution, fut lente. Voulant assainir le quartier, le préfet de police interdit en 1822 le racolage, sous prétexte de permettre aux femmes honnêtes de faire leurs emplettes au palais royal. Cette mesure est reconduite les années suivantes. En 1830, la prostitution est interdite, et en 1836, les salles de jeu sont fermées sous la pression de Louis-Philippe. Les artères sont aussitôt occupées par des théâtres et des salles de spectacle. Lors de la Révolution de 1848, le palais est pillé, les tableaux brûlés ou lacérés, les meubles et les objets d'art sont jetés par les fenêtres. Le palais retourne dans le domaine de l'État et prend le nom de Palais National. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, consacre le palais aux arts. Une salle temporaire est construite au centre de la cour d'honneur lors des salons de 1850 et 1852. Devenu empereur, Napoléon met le palais royal à la disposition de son frère Jérôme, qui y réside pendant 8 ans. Du succès de son fils, le prince Napoléon dit Plomplom. Il s'installe dans l'aile de Valois, tandis que sa femme, Marie-Clotilde de Savoie, choisit l'aile de Nemours.
Les appartements décorés par Fontaine pour les Orléans sont conservés, sauf ceux donnant sur la cour d'honneur réaménagée par l'architecte Pierre Prosper Chabrol en une longue suite de salons, dite la Galerie des Fêtes. Le prince invite souvent chez lui la société libérale de l'époque. Émile de Girardin, Taine, Renan, Gustave Flaubert, Sainte-Beuve, et provoque ainsi le désaccord de l'empereur. Le ministère des colonies s'installe dans l'aile de Montpensier. Lors du percement de l'avenue de l'Opéra en 1860, une partie de la cour de Nemours est détruite, entraînant un réaménagement de la place de la Comédie-Française. Le 22 mai 1871, la Commune donne l'ordre d'incendier le palais royal. Trois foyers sont allumés dans la nuit du 23 au 24. Grâce au courage et au volontariat d'une trentaine d'ouvriers de la Banque de France et des habitants du quartier, le feu est maîtrisé dès le lendemain matin. Seuls les étages du corps du bâtiment principal et l'aile droite de la cour d'entrée sont endommagés, comme on peut le voir sur cette photographie. De 1872 à 1876, Chabrol est chargé de restaurer les lieux à l'identique. Dans les nouveaux bâtiments sont logés le Conseil d'État et la Cour des comptes. Vers 1900, l'Office central des colonies s'installe dans la Galerie d'Orléans. Vers la fin du siècle, de nombreux projets d'aménagement du quartier vont alors être proposés par Théodore Charpentier, Henri Desvrin, Eugène Hénard, passant par une ouverture du jardin à la circulation qui va donner lieu à de vives polémiques. Tous ces projets sont rejetés. Par exemple, là, vous avez sous les yeux le projet d'Eugène Hénard. Alors, essayons de nous resituer. Donc, vous voyez, en bas, un petit peu sur la droite, on voit donc la place du Palais Royal. Donc, l'entrée avec le Conseil d'État actuel, la façade que nous connaissons toujours. Dans le petit renfoncement, c'est la Comédie Française. On reconnaît l'avenue de l'Opéra qui part donc en oblique vers l'Opéra Garnier sur la gauche. Vous voyez juste en dessous la place Vendôme avec la colonne. Là où se trouve actuellement la rue de Richelieu, donc une rue assez simple, assez étroite, on a une immense avenue. Comme vous voyez, la place Malraux qui existe actuellement, elle n'existe plus. On a une grande place circulaire, un peu façon place des Victoires, mais sans statue au centre. Mais c'est surtout le grand axe, donc qui coupe en perpendiculaire donc cette fameuse rue de Richelieu, qui devient l'avenue du Palais Royal, et donc qui coupe le jardin donc en son centre, qui coupe donc l'avenue de l'Opéra, donc formant cette petite place circulaire, passant vers le bas de la place Vendôme, et sur la droite qui part donc vers les Halles et longe l'église Saint-Eustache. On voit également la Bourse de Commerce, qui est maintenant la Fondation Pinault. Donc, vous voyez, ça fait partie donc, des projets qui ont été proposés et qui ont été rejetés. Le XXe siècle est un siècle paisible pour le Palais Royal qui continue à échapper à des projets d'architecture plus ambitieux les uns que les autres. Ginouvier, par exemple, va proposer une tour de cristal mesurant 30 mètres de haut à dresser dans le jardin. Guadet lui proposait de construire le ministère des colonies dans un bâtiment de 3 étages à la place de la fameuse galerie d'Orléans qui existe toujours et que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, le bâtiment que je vous montre sous les yeux, c'est l'école nationale d'horlogerie de Besançon. Mais le bâtiment qu'il a proposé à l'époque, donc je n'ai pas réussi à trouver des plans, était à peu près dans cet esprit-là, vous voyez, donc un bâtiment beaucoup plus contemporain que ce que nous pouvons voir actuellement donc dans le Palais Royal. Bloch-Levallois lui propose, alors pareil, d'opter de faire disparaître la galerie d'Orléans pour la remplacer par une rue. On retrouve encore cette idée de rue coupant le jardin. Finalement, la seule transformation architecturale importante de cette époque est celle en 1933 de la galerie d'Orléans. Dans les deux derniers projets que je viens d'évoquer, on sent que cette galerie, qui n'a plus d'utilité puisque les commerces sont en train de fermer les uns derrière les autres, gêne finalement, et on lui cherche une utilité. Le problème, c'est que cette galerie, qui était l'une des plus belles de Paris, abritait l'administration coloniale.
dans une conception purement décorative, elle va être réduite à ses portiques latéraux en démolissant donc les boutiques et la verrière qui la couvrait, tout en maintenant les deux péristyles qui l'encadraient, apportant ainsi une transparence et une luminosité perdue dans la cour en fait. C'est ce que nous voyons donc aujourd'hui si nous allons nous promener au Palais Royal. Au centre est agencé un immense bassin, comme vous pouvez le voir sur cette vieille photographie. Tout autour, des mosaïques géométriques rappellent la décoration au sol des galeries marchandes. Là, je vous ai mis une photo d'un magasin, bien sûr, qui n'existait plus, d'un ancien horloger. Alors, c'est pas tout à fait, bien sûr, les dessins là, dans les galeries sont beaucoup plus modestes, mais on s'aperçoit, vous pouvez pas vous apercevoir puisque la photo est en noir et blanc, mais on suppose qu'ils ont repris cette mosaïque dans les tons rosés. Et on voit quand même un début d'entrelacs géométrique. Les commerces dans les galeries périclitent lentement pendant le XXe siècle pour connaître un renouveau au début du XXIe. La boutique Bacqueville, vendant des médailles et autres décorations officielles, existe depuis la Restauration et est devenue un peu en quelque sorte un symbole du Palais Royal. En 1926, l'Institut international de coopération intellectuelle s'installe dans le palais. En 1959, le Conseil constitutionnel s'installe dans l'aile de Montpensier, alors que le ministre de la Culture opte pour l'aile des Valois. En 1985, le ministre de la Culture, Jack Lang, lance un concours pour restructurer le parking du ministère. L'art contemporain est introduit au Palais Royal. Le projet du sculpteur Daniel Buren, Les Deux Plateaux, l'emporte. Aujourd'hui, l'œuvre est plus connue sous le nom de colonne de Buren. Les 260 colonnes tronquées en marbre blanc de Carrare et en marbre noir des Pyrénées sont disposées sur un damier de 3 mm². Leur hauteur varie entre 8,7 m et 62 cm. Cette implantation artistique suscite de vives polémiques entre les protecteurs d'un patrimoine ancien et traditionnel et des défenseurs de l'art contemporain et de l'architecture innovante, le tout arrosé de désaccords politiques. Aujourd'hui, ces colonnes font la joie des petits qui les utilisent en guise de murs d'escalade, des jeunes qui y prennent des selfies et des touristes étrangers. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes mariés qui viennent s'y faire photographier. Quelques années auparavant, l'artiste Paul Bury avait rempli les bassins servant de fontaine à la Galerie d'Orléans de sphères mobiles en acier poli. L'œuvre est essentiellement l'air de jeu de photographes, amateurs ou non, qui cherchent un effet de miroir ou de lumière. Depuis 2009, le Palais Royal suit un plan de restauration onéreux. 5,8 millions rien que pour les colonnes de Buren. L'année 2010 est marquée par la restauration de la Galerie de Chartres, de la double rangée de portiques de la Galerie d'Orléans et les façades de la rue de Valois. En 2012, pendant les travaux du théâtre, les comédiens français s'installent dans un théâtre éphémère de 26 mètres sur 65 mètres en bois, inséré dans la Galerie d'Orléans, pouvant accueillir 700 spectateurs. En juin 2004, le Palais Royal est choisi pour le dîner en blanc qui se déroule chaque année dans un lieu public. Le premier dîner avait eu lieu en 1988 à l'initiative de François Pasquier, venant de rentrer de Polynésie. Il avait invité plusieurs de ses amis à un pique-nique au bois de Boulogne en leur recommandant de se vêtir en blanc afin de se reconnaître entre eux. Depuis cette date, l'événement se reproduit chaque année dans un lieu public et prestigieux. Les convives sont recrutés par cooptation. Ils sont prévenus au dernier moment, le plus souvent par téléphone ou mail, de l'endroit précis où ils se réuniront. Ils doivent être bien entendu vêtus de blanc, apporter leur repas, leur vaisselle, des chandeliers et un siège. Des tables sont dressées et garnies de nappes blanches. Après le repas, l'emplacement est remis en état par les participants. Ce rassemblement pacifiste promulgue l'art de vivre à la française. Voici quelques lieux choisis pour l'occasion. En 1989 et 1990, les jardins de Bagatelle. 1991, le Pont des Arts. 1993, le Champ de Mars. 1994, la Cour Carrée et la Cour de la Pyramide du Louvre. 2004 et 2005, le Jardin du Palais Royal. 2006, les Invalides. 2007, la Place Charles de Gaulle. 2008, les Champs-Élysées. 2009, la Place de la Concorde.
2010, encore la pyramide du Louvre. 2011, le parvis de Notre-Dame. 2012, les terrasses du Palais de Chaillot et la place des Vosges. 2014, le pont de la Concorde et 5 autres ponts parisiens. 2016, la place Vendôme. 2017, le parvis de l'Hôtel de Ville. 2018, encore les Invalides. 2019, encore la place de la Concorde. 2020, bah rien à cause du Covid. En raison du nombre de participants toujours croissant, les lions ont tendance à se multiplier. Vous pouvez donc tomber sur un dîner en blanc par hasard, au gré de vos balades, comme ici, en juin 2019, dans donc le jardin du Palais Royal. Bien sûr, ces dîners se déroulent sans autorisation préalable, mais bénéficient d'une grande tolérance en raison du mode d'organisation et de la discipline des participants. Pour information, le Palais Royal a servi de logement à quelques vedettes. De 1926 à 1930, l'écrivaine Colette vécut au numéro 9 de la rue de Beaujolais, à l'entresol. Pour des raisons de santé, elle déménage, mais revient de 1938 à 1954, année de sa mort, au premier étage. Lors de ses obsèques, un hommage officiel lui est rendu dans la cour d'honneur. Jean Cocteau habita de nombreuses années au numéro 36 de la rue Montpensier et disait « Le Palais Royal est une petite ville de province dans Paris. Tout le monde s'y connaît et s'y parle. Le soir, on ferme les grilles à pointe d'or et nous sommes chez nous. » En 2019, les allées du jardin sont renommées Colette et Cocteau. Sur les 18 bancs du jardin, des citations des deux artistes sont gravées dans le métal. Les chaises sont également ornées de citations de personnages illustres comme Paul Éluard ou Victor Hugo. Le Palais Royal servit de décor à de nombreuses productions cinématographiques. Charade, de Stanley Donen, datant de 1963 avec Audrey Hepburn et Cary Grant. Marathon Man, de John Schlesinger, datant de 1976 avec Dustin Hoffman. Un épisode de la série Nestor Burma, datant de 1992, donc avec Guy Marchand. Entretien avec un vampire, de Neil Jordan, sorti en 1994 avec Tom Cruise et Brad Pitt, entre autres. Rimbaud Verlaine, de Agnieszka Holland, sorti en 1995 avec Leonardo DiCaprio. Homme, femme, mode d'emploi, de Claude Lelouch, sorti en 1996. Un fil à la patte, de Michel Deville, sorti en 2004. Le Da Vinci Code, de Ron Howard, sorti en 2005 avec Tom Hanks et Audrey Tautou. Marie Besnard, l'empoisonneuse, de Christian Faure, sorti en 2006. La vie sera belle, d'Edwin Bally, sorti en 2007. Nicolas Le Floch, d'Edwin Bally, sorti en 2007. Paris, de Cédric Capiche, sorti en 2007. Cash, d'Éric Besnard, sorti en 2008. Les Herbes Folles, d'Alain René, sorti en 2008. L'Armée du Crime, de Robert Guénigian, sorti en 2009. Main dans la main, de Valérie Donzelli, sorti en 2012. Chercher Hortense, de Pascal Bonitzer, sorti en 2012. Alias Caracalla, d'Alain Tasma, sorti en 2013. Mission Impossible Fallout, de Christopher McQuarrie, sorti en 2018, avec Tom Cruise. Dans le film Da Vinci Code, nous voyons le professeur Langdon, interprété par l'acteur Tom Hanks, quitter sa chambre d'hôtel pour chercher sur le sol parisien des médaillons de cuivre indiquant la Rose Line. Sa quête le conduira sous la pyramide en verre du musée du Louvre. Les médaillons sont visibles sur le sol des galeries du Palais Royal, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Les galeries recèlent bien sûr d'autres surprises, comme ces deux sculptures réalisées par Jean-Michel Alberola en 1992. Elles furent commandées par l'État en 1989 afin de rendre hommage à l'écrivain et ministre de la Culture André Malraux, dont les dates de naissance et de décès figurent sous les statues 1901 et 1976. Sur le sol, le promeneur peut lire un extrait d'un poème de l'écrivain parisien. À gauche, nous lisons « Et que nous retrouvons sur toute la terre. » À droite, nous lisons « L'homme que l'on trouvera ici, c'est celui qui s'accorde aux questions que la mort pose à la signification du monde. »
Ces sculptures sont exposées dans le passage de la cour des Fontaines, entre la rue de Valois et la cour d'honneur du palais, à proximité du ministère de la Culture. Pour commenter les œuvres, Jacques Lang dira « Si l'emplacement choisi pour implanter cette œuvre évoque clairement le rôle politique de Malraux, Jean-Michel Alberola souligne plus fortement encore, par l'agencement de tous les éléments, que l'intellectuel français était avant tout un écrivain, historien et théoricien de l'art. Les deux reliefs sont en effet constitués d'un assemblage enchevêtré de sculptures chères à Malraux et puisées directement dans son musée imaginaire. Elles sont ensuite recomposées et agencées par l'artiste dans des figures fantastiques aux multiples visages. Les deux sculptures ont été réalisées par la fonderie d'art Bocuel et se nomment « Et alors ?». Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Balade Parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.